Bonjour, bonjour, bonjour peuple congolais. Bonsoir, bonsoir à vous. Oui, merci d'être là, Idi Bolombo, Gefe International, et à peuple Mokonzi, peuple souverain. Mokolalelo, Tozali Bongo, jeudi 4 juillet 2019. Dans l'église Soumouké, Poto Solola, actualité, il y a beaucoup d'abysses au Congo. Dengue, en tout cas, mes encouragements, tout continuer, bitumba oyo, tout les mbate, parce que Banguna, oyo badali na kati ya mboka na biso Congo, RDC, balingi kolache mboka wana te, balingi kotika gato na bango Congo te, mais biso to kolaksa bango ke mboka wana ezali mboka na biso. En tout cas, mbote ya trou na camionnette mbola. Camionnette Mbola, Simon Kimbangu, Jean-Louis Mondele Yabangwandi, Mbotenayo, Clément Likele, Jean-Pierre Mangala en direct de Paris, Yebo Yebo, Kombe Mbotenayo, et voilà, sans oublier Babundeli Yabiso, ba journaliste comme John Image TV et Papi Genda, Tolbe la vie. Mbote na bino ya tro, MK Mokoko, ya yope mbote yango wana na Congo Lokito. Voilà, Idi Bolombo, greffe international na peuple Mokonzi. Na leki awa pona kosola bino. Suivant l'actualité du jour, batu mingi balobeli yango, bandeko nanga mingi ya combat balobeli yango. Ndenge polémique eza kosala basiko mikolo yo, ezali polémique ya mawa. Oyo, vraiment, ce qui te vendit si tout bien, et j'allais couper sa bise au résultat et malhonnête. Au contraire, toute une distraction bien orchestrée, instrumentalisée, orchestrée, na batu moko boye, hein, oyo, bazali quand même na ba intérêt politique na kati, hein, pour na partager ya ba gâteau, ya gâteau, oyo to bengi gâteau Congo, alors, bango nyonso, balingi, bako talanzela wana, alors balingi ko salir le président véritablement élu du peuple congolais, Martin Fayulu Madidi, nakati ya namuka, balingi, vraiment ba salir, bazako diaboliser président Mafa, par tous les moyens, pour ba discréditer, mais ekosimbaka ata mukete parce que Moutouana Azali Moutou Oyo Azali qui représente le peuple congolais tout entier. Donc, les 62%, les 62%, il y a peuple congolais Oyo, bah, vota qui pourriez, bah, Zana Simanaye. Mais les lois coûtent naoulo, ils allaient sur 62%, et Bakisami, parce que bah, Oyo, monsieur Soubazala qui n'a Bazala qui n'a ngambo wana mususu yo ba comprendre vérité ya ma solo ninge zali ba zongi ba côté na ba zongi li côté ya peuple. Donc tout ça le président Martin Fayulu nage maintenant dans les 70% de voix oyo baza simanaye. Donc vouloir ou pas bokoko kayete et ko simba kate. Alors banani oyo ba yeli susu na polémique banani oyo Bazako kotisa les bateaux dans les roues, na les trains qui est en marche vers la victoire du peuple congolais, hein, contre l'occupation rwando-ougandais aux Alambokana. Banani wana. Ils abattu le cola. Ils abattu le cola ba Francis Kalombo. Ba Olivier Kamitatu. Hein, bazamu longo moulaï. Baza moulongo moulaï bande konangaye. Ce qu'on talipe batangou, batangou kaka, yabor moko. Batangou kaka, yaka moko. Or, polémique yasiko yo, et wouti même pas na FCC. Et wouti même pas na FCC cash. Et wouti même pas na kote yaba chilombo. Mais, baza ko sali la, intérêt à nani,
bah ça l'intérêt général t'es bah tout au yeux à polémique bah ça là intérêt moko particulier donc intérêt moko y a côté y a bah occupant y a côté bah tout bah ça pour lier à bah occupant y a côté y a bah Chilombo FCC cache parce que naïb de l'ONU bamba gagner na katwa naïb de l'ONU bamba gagner na katwa parce que l'amouka ezali état d'esprit l'amouka ils ont mon côté. C'est là où vous commettez l'erreur. Grave. La mouka, ils ont mon côté. La mouka, ils ont peuple. Ils ont l'état d'esprit à peuple congolais. Beaucoup de gens ont comment. Beaucoup de gens ont comment. Mon pépé, ma kangaka ya moté. Beaucoup de gens ont comment. Bino batu. Nazolo bana yo na ye na yokuna. Bino batu yo, vous allez kubundisa la mouka. Vous êtes salam. Vous ne rien. Parce qu'ils ont mon pépé. Ils ont élan. Élan du peuple congolais. Vous ne la preuve. J'ai tenu ceux qui sont bichimobila. À Meki Meki. Pour appeler sa journée. Il y a marche pacifique. Il y a la mouka, il y a les 30. À quoi qui a voté? Peuple a bimaki. Vous m'en avez peuple a bimi. Et puis ils ont un résultat positif. Vouloir ou pas, c'est positif. Parce que le peuple a dit ça là, a bimipé à sali. Ni tété, ni méchanceté à police, méchanceté à Félix Tshilombo, méchanceté à Moutou et à Zako dirigé Félix Tshilombo, donc alias Joseph Kabila. Bango, le coup la bazana armée, la police, Bazako, Bazaliko, qu'on instrumentalise police, la armée. Pour nous martyriser le peuple congolais, pas. Pourquoi nous martyriser le peuple congolais pendant que la constitution, Oyo, Oyo, Yambo Kanabiso, et ça pour permettre à tout Congolais de manifester, de faire son devoir et de manifester en tant que citoyen congolais. Donc il suffit seulement l'article 26. Si je ne me trompe pas, il suffit seulement d'informer les autorités en place qu'il y aura marche pacifique. Bango, le quoi on a un régime d'information. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Donc, bango, il faut autorité à acter à nous. Et puis, télévision, dispositif, et ça mina. La constitution, police ou police pour encadrer marche wana point bar mais attendez qu'il y a un pays sabato n'engue bah on va pays qui wana bah boy bah l'ingité que marche salama et salama les 30 parce que bah ça qu'au banga la paix a changé de camp ils ont la pestoche bah c'est au banga ils ont la crainte bah c'est au banga bah yebiké peuple wana l'ingi bangoté pour bah du pouvoir y a moyebi. Parce que pouvoir, il y a fraude massive, il y a tricherie, bah, pouvoir, il y a négociation en coulisses, pardon, entre Hippolyte Kanamele, Joseph Kabila et Félix Tshilombo. Boutar Bagamiskoyo, c'est mis à poisson. Il n'y a pas de deal Nabangou, hein? Il y a tricherie Nabangou, il y a le couteau à Félix Tshilombo en disant que dans ma campagne, Nabangou, tant que ça, ma campagne électorale, que bango bata IDPS bali bato état des droits bako ko état des droits machin machin et tout ça mais regarde bazongeli bazui bazui vraiment rythme il y a continuité à pouvoir il y a Hippolyte Kanambe il y a beta batou il y a kanga batou il y a boma batou ning babomi babomi moko ya lamuka na kombo ya defao paluku coordinateur coordinateur il y a provincial il y a la Mouka na Kivu hein na Nord Kivu babomi mais bazou ko ba makia on met trop tard bis toi déjà saisi na ba dossier et tout ça donc bazou na ba makia on na FCC cash il y a Félix Tshilombo bazou na ba makia mais eko simbate Boutala, Binomoko, Félix Tshilombo.
tant que yaba moi ba marche tant que Jean-Pierre Bemba a quitté na 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 Congo à vraiment peuple ba zoki ba pota ba nini mais Félix Lombo a préféré que nous tala a que nous tala police là comme quoi que ba police ba zaki blessé mais ba peuple na ye ba zoki ba pota ba nini na que nous tala ba ngote c'est quoi le lo oyo l'air ba nini le 30 juin ba tuba bimi hein moko oyo deyo défendre paloko akufina nord kivu est-ce que bokna ngota la ye non ba toyo ba zoki awa na ba maya moto hein na ba bal ninga ba betaki na le 30 juin est-ce que Félix Tshilombo yo kenota la bango non rien du tout alors état des droits hein état des droits oyo binu bolobaka yango monique vous êtes maintenant devant un fait accompli peuple congolais vous comprendre que pouvoir wana sans pouvoir il y a Félix Tshilombo ils en ont pas fanti ils en ont rien du tout à part kakake moyibi na moyibi pillage il y a richesse na l'argent public de l'état congolais hein et puis na ba fantaisie mais eloko malonga exalité exalité pour azana pouvoir mogote hein et politique nambe na ba tunaye bango moko bazana pouvoir parlementaire donc les deux parlements les deux chambres sénat assemblée nationale bango ka ba majorité les gens maboko ya yai politique nambe CENI, ils ont beaucoup de politique kanambe. Cour inconstitutionnelle, ils ont beaucoup de politique kanambe. Armée, ils ont beaucoup de politique kanambe. Police, ils ont beaucoup de politique kanambe. Sécurité, ANR, ils ont beaucoup de politique kanambe. Bon, yosikoyo, Félix Tshilombo, aux ananines, rien du tout. Tout le bâté, fanatique aveugle. Bouye biango, bouzo mona, mais. Vous êtes sala semblant de voir ça. Et pas na binu kaka fanatisme. Hein? Guru kaka, ce qu'a lobi bondimi. Donc, vous allez jouer le rôle, il y a bouclier, il y a Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Bango bazo sala makambu, bango bato bazako diriger, bango bato bazako piller mboka wana, bazako sala makambu tout, mais binu, vous êtes jouer le rôle, il y a bouclier. Hein, pour nous protéger tout rwandais ou yo bazako diriger mokawana par défi voilà c'est clair et net nayango polémique ou yut kobota et boussiko yonde tout ça qu'on regrette ngai personnellement ça qu'on regrette yango pourquoi parce que la mouka je suis vraiment venu demander à aux cinq leaders de la Mouka d'essayer de revoir les choses parce qu'il est temps qu'on puisse voir clair là-dessus parce que makambo oyezo leka na la Mouka to komi lokola neti ko servir en quelque sorte FCC cash il y a Hippolyte Kanambe na Félix Tshilombo ce n'est pas normal du tout ce n'est pas normal comment voulez-vous na kati ya la Mouka tout comme elle se torpiller dans la carte à la mouka. Chose invraisemblable. Bon, tout le bas qui a vu, bien sûr, que la mouka, tout ça qu'on avance avec le peuple congolais, mais voyez, je rappelle encore que la mouka, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit du peuple congolais. C'est l'état d'esprit du peuple congolais. Vouloir ou pas, c'est un élan. C'est un élan du peuple congolais. Voilà. C'est un élan du peuple congolais. Donc, beaucoup changer et l'eau comme mon côté. Parce que état d'esprit où on a un peuple congolais, assez à la mouki, à zokende vers la victoire. Peuple congolais, alingi a libéré Mbokanaï. Alingi peut se libérer. Et a libéré Mbokanaï. Vouloir ou pas, et que ça la magakaka un jour. À table bloqué peuple dans les 30 juin au 8 collègues mais voyez que ce peuple là n'est pas fatigué nous allons continuer à travailler encore nos stratégies pour tout récupérer Mbokawana
nous allons nous se réapproprier. Donc, oui, on est fou, on a tout. Mais, c'est quand même que, parmi les photos, il y a des nettoyer, banguna oyo bazali pemene na biso parce que banguna tout ya Congo to yebi bango ba bima 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 to yebi bango hein ba to souka pe no ba yo o ba yo bima ezali il dépeste avec Félix Tshilombo na ba fan club to yebi bango tout mais na quatre na biso siko nous ne pouvons pas laisser passer ça na batu lokola. Pour tout le monde qui est ils ont eu à côté de moi. Ils ont eu la plateforme. La Mouka, ils ont constitué la plateforme. Et Bélé, dans ma parti politique. Et Bélé, dans la carte. Mais la plateforme est ensemble qui est dirigée, qui a comme leader Moïse Katumbi, c'est la plateforme qui pose problème dans la carte. Il y a la Mouka. C'est vraiment dommage. Mais il faut. Il est grand temps que Moïse Katumbi, en tant que leader politique, il y a ensemble à Kokakoluka, Nengenini. Il faudra à tout prix apaiser la situation na côté naïe hein kolukamo apaisement na kati ya batu naïe ya ensemble na la Mouka parce que trop c'est trop parce que tout on dit maka kati ki mbala la mbala kaka de seul côté ba bêtise c'est ça maka yuta kuna ozomona ou à défaut comme conseil personnel, c'est un conseil personnel, c'est clair, réformer une autre plateforme ou un autre parti politique, ils allaient comme base naïo, au sein, au côté de ce qu'on a il y a la Mouka. Parce qu'ensemble, tous les Makam, il y a plein de désordres. Désordres. Surtout, nous avons un bateau à Wamé, un bateau à AR. Hein? Bah, Claude Loubaya et comment Délice Sang ma bah, déclaration tous azimuts où ils attendent où ils ont l'intérêt mon côté à peuple congolais l'intérêt mon côté à la Mouka ma bah, Berthe Wanga hein bah Kakabangu hein bah Kungu quoi commence Kakabangu les loyaux. Francis Kalombo et Olivier Kamitatu, Oyo Bayiko le Baba n'importe quoi. Oyo Bayiko le Baba n'importe quoi pour diaboliser le président Mafa. C'est vraiment malheureux. Mais ce n'est pas de cette façon-là que vous allez faire pour déstabiliser la Mouka. Ou pour essayer de discréditer le président Mafa. Président Mafa, c'est le candidat commun. Il y a peuple congolais. Avant d'être le candidat commun, il y a cinq leaders, il y a la Mouka. C'est le peuple congolais qui s'est imposé en face. Il y a cinq leaders, il y a la Mouka pour la protéger Bangobabi Misa. Candidat commun. Donc, vouloir ou pas, cet état d'esprit-là, cet élan-là du peuple congolais, beaucoup qui ont changé en beauté par individu. Alors, bateau, on a tangi on est ensemble, bateau, pour créer des ordres, mais impossible. Donc, on ne peut jamais tolérer en Russie. Bissot, on a diaspora, on est décidé de ne plus tolérer cette histoire. Donc, quitte à vous maintenant, Moïse Katumbi de gérer vos hommes et d'essayer de voir comment régler le problème. Mais en tout cas, nous, à ce qui nous concerne, le peuple Mokonzi,
peuple congolais, na katia la muka, nous prenons une bonne cohésion. Une bonne cohésion politique de la chose. C'est-à-dire, l'unité s'imposera toujours. Donc, tout ça là. Tout le monde qui est en train de se faire, il y a une déclaration. Kaka, à travers tout le monde qui est représenté, la mouka. Et non, que si tu as un bon abîme, tu peux me à gauche, à droite, ou on est sur ça, ils ont ça la propreté, ils ont ça la salité. Donc, ma cambo, tu es trop vivre, il y a courrier, il y a document, Oyo, Francis Kalombo à l'Obéli, c'est vraiment regrettable. Et ça, il y a qui n'a pas de mot à l'Obéli, mais il y a aussi un caca. Koloba français, c'est bon. Koyeba koloba français, c'est bon. Mais ce n'est pas ça l'intelligence. Voilà, là, je m'adresse maintenant à Francis Kalombo. Ce n'est pas ça l'intelligence. La langue française n'est pas synonyme à l'intelligence. Ni la langue chinoise, ni la langue anglaise, ni le lingala, ni quoi que ce soit d'autre. Intelligence, c'est intelligence. Sagesse, c'est sagesse. Ce que vous avez mawatro. Voilà. Donc, il y a un enseignant, Nabatunios, vous pensez, texte wana, ou lettre wana. Il y a lettre mabete. Il y a lettre mabete. C'est une proposition, il y a une proposition de sortie de crise. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est un plan de sortie de crise. Oyo, basenga ki na président Mafa, asala, aluka na kote ya la muka, pona, hein, atia intelligence na ye, pona kuluka sortie de crise. Parce que dans chaque situation, na mukili, il y a toujours une solution quelque part. Tu vois qu'on s'éternise, tu vivre kaka na kate ya crise, pendant que il y a des gens pour réfléchir, pour nous couper ça va résister. Voilà donc, il y a qui proposition. Et puis, contenu dans mot, et ça m'a bête. Ce que tout en dit en mot, tout a yébi, ou a yébi qu'on comprendre français. Pas ou a yébi qu'on le français, mais ou a yébi qu'on comprendre français, à quoi tanga qu'on comprendre. Alors, il y a un enseigné, beaucoup comme la Francis Kalombo, document ou anana lingala pour comprendre. Parce que dans le document, on a. Et lui, il m'a dit, président Kenya, Asolola Martin Fayulu. ECC, Oyo, église protestante, Asolola Pena, ma président Martin Fayulu, dans la Mouka. Américain, Asolola Pena, même situation, pour la Koulouka, sortie des crises. Il était demandé au président Mafa, va réfléchir là-dessus. Donc, comme proposition, le président Mafa, à l'obakini, à l'obi, à Sengaki, vérité des urnes. Récomptage yaba voix. Donc, vérité des urnes, récomptage yaba voix par la CENI. Chose qui a été refusée jusqu'à l'heure actuelle par la CENI et la Cour constitutionnelle. Mais, aïe qu'on proposait deuxième proposition. Deuxième proposition, c'est quoi? Deuxième proposition, ils allaient réforme, il y a pas, attendez, ceux qui n'ont pas de sanité. Hein? Non, deuxième proposition, ils allaient élection anticipée. Élection anticipée, c'est-à-dire faire une transition politique. Il y a 12 entre 12 et 18 mois, et pendant les 18 mois maximum, que ça là-bas réforme
y a la réforme institutionnelle de l'État. Parce que, tu crois que l'élection anticipée, il y a sans la réforme. Pourquoi? Parce que, oui, tu as bien besoin de ce CENI, Cour constitutionnelle et consort, il y a un parlement, il y a Hippolyte Kanabi, alias Joseph Kabila. Donc, bango le kola baba tuba mesani na tricherie corruption, ça ne pourra pas marcher. Donc yangwana omoni deuxième proposition ya Martin Fayulu Ezali, élection anticipée mais en demandant de faire des réformes. Condition nango primordiale, il faut que ça va réforme, c'est-à-dire un une bonne gouvernance, hein, et quand on parle de la bonne gouvernance, de la bonne gouvernance plus question de corruption et tout ça. Et puis, la réforme, il y a CENI. Réforme, il y a Cour constitutionnelle. Réforme, il y a service, il y a renseignement, notamment sécurité, ANR. Et puis, réforme, il y a armée et la police. C'est tout à fait normal que ça soit le cas. Et puis, sous le cas de la réforme, il y a institution wana oyo eko encadré ba biloko nyonso wana ezali pona ko contrôler yango ezali comment dirais-je ba bengi yango réforme conseil comité ya réforme institutionnelle et réforme institutionnelle de l'État. Voilà. Donc, conseil, au conseil, wana, oui, au conseil, il y a réforme des institutions de l'État. Voilà, c'est ça. Au conseil, wana, donc, ce qu'il y a, à mon avis, il y a dirigé Yango, hein, président Mafa a contrôlé, a dirigé Yango pour, par sécurité, hein, pour na, que ce qui va passer Batumu Susu, bako sain na on a ninga ya bienté, hein, sincérité aux alaté. Et voilà. Donc et loko ya mabeza li onate mais ala que le président Mafa ke na ki po asala ki courrier moko boye, hein, lettre mo batindeli Félix Tshilombo pour asengayé poste moko ministériel ou quoi que ce soit dans le gouvernement. Donc biloko on a nyo sowana ezali ba polémique. Les Angatina, hein, où il y a Francis Kalombo, na Olivier Kamita Tobasali, parce que ils sont fatigués, na kati ya lamuka, pour yako zela, pour bamonike, président Mafa Azali peut-être très radical, et que Bango Bazali na besoin yako partager la part du gâteau ya Congo, na FCC Cash. Na la Kabylie et que bazako mon retard na makambo wana donc ba lingisi koyo ba éclabousser la muka, hein, ba décrédibiliser président Mafa, hein, ba diaboliser pour la muka et comment en désordre et puis ba on va profiter mais pour quel intérêt. Donc bozo sali la kaka, bozo sali la kaka Kabylie, bozo sali la FCC, bozo sali la Rwanda. Bah, Congolais, se retrouver comment? Parce que la Mouka, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais, il ne veut plus entendre parler dans FCC Wana, tout Rwandais. Mais bino, il y a un peuple congolais qui a choisifié par les Tutsi, par la Kabylie, par les FCC, AFDL. Oyo bazali ko kipe mboka na biso donc biso ba oyo tout ça que bunela mboka to lobi na bino non ça ne marchera pas comme ça. Alors ya mwana to lobi na kati ya la muka to lobi quand même to mona mo clair et heureusement pour nous toujours est là lelo j'ai dit à lelo normalement c'était dit que le président Martin Fayulu Madidi va faire une déclaration, hein, pour fixer le peuple congolais dans la situation politique il y a Oizakoleka Namboka
au sein de la Mouka et que ça la paix bilan il y a il y a nini ko tirer paix bilan na na nini na suite il y a marche ouyo pacifique et ça le mec dans le 30 juin 2019 na na mboka na biso RDC Congo. Voilà, donc tout ça que c'est là vraiment moment on a ceux qui et que ça va lelo c'est probablement et salama lelo ou peut-être le lobby vendredi. Donc tout ça c'est la vraiment déclaration il y a président Mafa il y a biso bien. Voilà. Donc on a ngai ko sur la bino lelo yangwana c'était juste pour mettre les points sur les i et les barres sur les t comme on dit toujours pour na intérêt na biso peuple congolais qui est tout là la t tout bunda. Tobunda vraiment, Tokenamutinasuka parce que les dangers est là, les dangers ça s'appelle la Kabylie, les dangers ça s'appelle FCC Cash, hein, à travers Félix Tshilombo, où il va dire que ça va vantir, moko tout fait, et ça que mon nana, que Balingi a tamoukete, peuple congolais, a se retrouvé dans Katia Mboka na Yemoko, peuple congolais, a comme a chosifié, peuple congolais. A qui m'a mboka na yakende libanda pour bangouba continuer koyiba ning baza koyiba wana. Donc mboka na biso notre pays est en danger, l'air est grave, c'est vraiment catastrophique, mais ce n'est pas à désespérer ou quoi que ce soit, peuple congolais, il faut tout élément parce que vraiment ce qui est vrai c'est que la RDC est prise en otage par un groupe de individus mafieux dont le grand chef c'est Paul Kagame et son cheval de Troie c'est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Oyo Azali protégé par un bouclier qui s'appelle Félix Tshilombo Tshivube Tshikololo hein alias Kikekedi donc bango batwaza ko protéger Banguna na biso oyo bazana mboka Congo oyo baliko tika Congo wanate voilà oyo ngana yeki nango pona sur la bino lelo en tout cas kusenga kaka na lamuka nous voulons voir clair surtout du côté de Moïse Katumbi na côté ensemble hein denga na biga conseil hein il y a bien zali kaka Moïse Katumbi, il faut essayer à nettoyer, à combat bien na l'opangou naïa ensemble parce que nous n'allons pas continuer na la turbulence y a boye ou yo et sangatina, mais boye bakake, la mouka reste la mouka, on est ensemble, nous avançons, oyo alembi, bama wa tata bandeko, ils allent très en marche, tout ça kokenda, peuple congolais, oyo alembi, na la mouka. A quitté naïe, a tikali, mais bisou tout ça, aucun vers la victoire, boye bake victoire, destin à peuple congolais, et j'en ai beaucoup, peuple congolais, tous se laisser faire distraire, na batouya, na dongolomiso, hein, tout yéba, et le connu, tout ça, l'iko sala, hein, pour une zéla, la bisou, il a l'éclair, n'est-ce pas, kende, hein, en tout cas pour nangai bilan les allées positifs la marche wana ba boya ki tobima mais tobimi bon mona ki binomoko na changu ndenge mimi pesaki le président Mafa ala ki na terrain na fumu pa muzitu ba et puis ba avancer ba tamboli hein ba pousa ni petit na banjili bon moni kaka hein ba tuona tellement ko bangele ki hein ba zali ka obligé ba intervenir na ndenge ya mabe baluka bouc émissaire baluka échappatoire baluka nini nini bakwai ko créer trouble pour na ko beta ba membre ya la muka ndenge ba beta kiwana na ba bibende ko beta mama sasi ndenge ba bomi na Kivu et puis ndenge ba sukisi ba tuma pota wana ba moni bien ba moni ki ça va mais bazoka sake bazaka barete elan non pepe bakanga kango te boye bake tôt ou tard, soulève le vrai soulèvement populaire, Eko Salama, Eko Ya, et puis Eko Zala sans annonce. Parce que, oh, tout le baki wana, biso ba tout le baki ango, mandinge ke soulèvement, il fait Salama, les 30.
Pour l'année, il te profite parce qu'il a les dates. Date moko, tu as comme ça, date moko doublement historique parce qu'il y a les dates où il y a un peu de libéraka Congo, libéraka Zoka indépendance le 4 juin, le 4 janvier, pardon, 1959, de Sikoyo, indépendance, le 30 juin 1960. Voilà. Donc, Mbala OEP, et vous avez la paix surprise, soulevant vous avez la paix surprise. Tu annonces qui il y a un peu de préparer qui, mais tu ne peux jamais ce qu'on annonce quelque chose. Donc, il y a Mbala OEP, beaucoup de monde a dit que c'est un peu boum, tout ceci m'a solo. Ingeta, Ingeta, Bandegolanga, Disika, vous amis, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et Diboromo, Griffin International, à Peuple Mokosi. Nous sommes ensemble, Johnny.